Tchadja. Pour moi, bah, je suis avant tout française et je suis née ici, enfin, on m'a élevée ici, etc. Contrairement à mon frère qui lui est né au Maroc. J'ai et la nationalité française et la nationalité marocaine, mais c'est pas pour autant que je me sentirais plus marocaine que tchadienne. Je me sens les deux en même temps. Le wacking, ça fait partie des funk style, donc pour moi, la culture hip-hop. T'as pas ce côté-là où genre comme t'es noir, bah tu peux pas réussir ou tu peux pas ne pas faire quelque chose. Effectivement, en tout cas avec le wacking, vu que ça vient quand même des Afro-Américains latinos, ben et en plus gay, c'est un peu des rejetés de la société. Mais moi, quand j'étais petite, je me considérais pas forcément comme une rejetée de la société. C'est plus en grandissant que tu vois des choses et que tu te dis ah putain, il y a quand même des différences. Mon père est breton et ma mère, elle est martiniquaise. Parfois, en fait, je sais pas vraiment où me placer. C'est-à-dire qu'on va me voir en photo, on va me dire « Ah non, t'as pas du tout de martiniquais, c'est bizarre. » Et dans d'autres photos ou dans d'autres poses, on va me dire « Ah, oh, t'es extrêmement martiniquaise. » Et du coup, j'ai l'impression d'être schizophrène, c'est un peu... Et moi, j'aimerais être genre tout blanc ou tout noir, tu vois. Parce que je trouve que le mélange physiquement, enfin, pour moi, je trouve pas super beau, parfois. Je me rappelle, tu m'avais dit, mais c'était il y a quelques années, mmh. Ah oui, le cousin qui s'est marié. Mmh, Stéphane. Stéphane, il était blanc comme moi quand il était jeune. Ouais. Et puis après, en grandissant, il avait bronzé. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai toujours été comme ça. Je me voyais pas changer, j'avais peur. Enfin, voilà. Mais en même temps, ce qui est normal, quoi. Je veux dire, tu commences à te construire avec cette apparence-là. Mmh. Et quelqu'un te dit, peut-être que demain, tu seras black. Bah voilà quoi, enfin. Voilà, ce qui est normal. Ouais. Tu réalises qu'au final, quand même, même si t'es dans l'art et que tu dis que c'est un truc libre, ben en gros, tu rentres quand même dans des cases. Et moi, oui, je rentre dans cette case où je suis noire, je suis grand, j'ai le crâne rasé, je dégage une forte personnalité, etc. Mais c'est vrai que si tu poses la question, c'est pas le premier truc que je vais dire. Ça, c'est. J'y pense même pas. Genre oui, voilà, le wacking, c'est né dans les années 70. Donc c'est OK, la période disco et tout. Même si on était en Californie, Los Angeles, voilà, Hollywood, les stars, les rêves, tout est possible. Ils se sentaient pas bien. C'était chaud pour eux d'être gays, c'était chaud pour eux de s'affirmer et tout ça, et c'était vraiment, ils étaient pas ok quoi, ils étaient vraiment pas bien, et c'est en allant en club et en dansant qu'ils pouvaient être libres, eux-mêmes se sentir bien. Donc c'est sûr que à cette époque-là et même encore aujourd'hui, pour moi en tout cas, le wacking, c'est, il y a cette question de libération, parce que justement, ben voilà, le fait d'être gay, bah écoute, c'est comme
Starfall-là, le fait d'être noir, il y a toujours pour qui ça passe pas. Et c'est pas normal. C'est comme le fait d'aimer ou de pas aimer quelque chose. Il y a des choses qui s'imposent à toi, comme ta couleur de peau. Donc, non, c'est sûr qu'après, avec le walking, tout ça, ça existe plus, quoi. Ça existe plus. C'est toi, dans tout ce qui fait que tu es toi. Je pense que c'est aussi pour ça que je danse, que j'ai pas envie de rester sur cette je veux pas rester marginal. Donc c'est sûr que pour moi la finalité c'est hop tu danses, mais à la fin c'est le bonheur en fait. Ouais. C'est moi je suis là, il y a quoi? Avec les sourires. J'aime beaucoup me présenter comme quelqu'un de dans la norme ultra blanche, enfin en quelque sorte, hein. Et finalement dire ah bah non, mais en fait il y a pas que ça. C'est devenu en fait une espèce de protection aussi pour moi. C'est-à-dire que physiquement les gens me renvoient cette image-là et j'aime bien casser cette image-là en disant bah que je suis pas que ça. C'est devenu une habitude pour moi de me dire « Ah là là, si ma mère avait été avec moi, comment ça se serait passé ?» Ou même, elle me disait dans les musées. Enfin, elle est triste, elle me dit « J'ai l'impression que les gens noirs n'osent pas aller dans certains endroits parce qu'ils se sentent pas à la place d'y aller. » C'est un peu... C'est difficile, quoi. Enfin, c'est un peu un entre-deux où je me dis « Waouh, elle vit des trucs tellement difficiles. » Enfin, bref...
que moi je ressens pas, mais en même temps je la comprends, c'est un peu un entre-deux et parfois j'ose pas lui parler de choses parce que j'ai peur de la déranger, j'ai peur qu'elle se dise ah là là, ma fille n'aurait jamais voulu être noire parce qu'elle sait que c'est difficile et comme elle est l'inverse, elle s'en rend encore plus compte que si jamais elle avait été comme moi. Il y en a qui pensent que c'est cool d'être noire, mais c'est vrai, il y en a qui pensent que c'est cool et en fait. C'est pas cool d'être noire au même titre que c'est pas cool d'être asiate ou arabe ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu choisis pas, tu vois. Donc, mais effectivement, là-dedans, ça reste quand même... ça peut être une protection, une carapace où tu laisses voir ce que tu as envie de montrer, en fait, du coup. Il y en a qui vont utiliser ça comme une... comment on dit ça? Comme un outil politique. Moi, comme je t'ai dit, j'aime pas forcément parler parce que justement, si j'utilise ça comme un outil politique, faut que je me justifie derrière. Moi, je vais plus l'utiliser comme un moyen d'expression, mais pas. J'aurais pas forcément envie de rentrer dans le délire. Dans ce délire-là, en gros. Même si ça me touche clairement, mais. Non. J'essaye vraiment de faire la séparation par rapport à ça, vraiment, parce que sinon ça va me prendre la tête. Ça, même au même titre que c'est une autre race ou quoi, c'est des trucs qui me touchent trop. Je trouve ça déjà triste, alors de devoir le défendre, tu dois toujours y penser, t'es porteur de ça, c'est compliqué un peu. Aux Antilles, en fait, on va dire pour déterminer la couleur d'un enfant, on regarde surtout à la naissance le bord des ongles, le bord des oreilles, et voire même le sexe, en fait, et cette couleur, en fait, détermine la couleur de l'enfant plus tard. Et Jade, ben, tout était blanc. Alors je me disais bon, ben, c'est normal. Ça va foncer un petit peu. Et puis, quelques jours après, elle a eu une jaunisse. Et là, la jaunisse, moi, je me suis dit, ça y est, elle bronze. Je me suis dit, mais ça y est, elle bronze. Et la sage-femme qui venait à la maison me dit, ah, bah, elle fait une jaunisse, hein, c'est pas du bronzage. Ah, d'accord, bon, ben d'accord. L'histoire, elle est comme ça. Jade est comme ça. À aucun moment, non. Il m'est venu l'idée de me dire, finalement, si Jade avait été plus black. Pour moi, c'est normal, quoi. En fait, dans la danse, t'as pas... C'est ça le truc, c'est que dans la danse, t'as pas besoin de réfléchir à tous ces paramètres-là. Genre, qu'est-ce que j'ai envie de laisser voir? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que... à qui je dois parler, tu sais, dans la danse tu fais juste, c'est tu fais et puis tu verras ce qui va arriver. Dans la vie tu fais en fonction de ce qui va arriver, tu réfléchis à ce que tu dois faire, etc. Dans la danse c'est le contraire. Justement je danse pour éviter de penser à ces trucs là en gros. Il y avait de l'extrême sur mon apparence vis-à-vis de ma mère, et du coup mon caractère aussi était extrême parce que j'étais entre deux pans bizarres, et finalement ça, c'est devenu une part intégrante de mon caractère. Et finalement le transposer dans la danse, c'était du sensitif bizarre, mais finalement comme c'est du sensitif qui est dans la société, ça passe beaucoup mieux. Donc moi, ça me permet d'exprimer une plus grande palette d'émotions que je peux pas avoir en parlant de qui je suis génétiquement parlant.